Parce que sinon, vous l'appelez comment, vous? Le fait d'aller interroger des gens en rue, vous appelez ça comment? Bah, t'as appelé quoi? Je crois qu'ici, il s'agit surtout de... regarder, et puis de parler de, du quartier autrement, surtout. Mais en tout cas, c'est pas un reportage. Oui, bah alors c'est quoi? C'est ça, ma question. Oh, mais il y a beaucoup de choses à dire, c'est... Puis sans parler des choses qu'on ne voit pas. Les liens avec les origines, l'Afrique, tous les événements là-bas qui nous influencent, nous, ici. Et aussi parce que les autres se sont méchamment invités chez nous. Quels autres? Nous nous sommes gentiment, pacifiquement permis de venir leur rendre la politesse. Bla, 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 bla. De quoi je me mêle? J'ai quand même le droit de parler avec Béatrice sans que tu viennes faire tes commentaires, non? Sois sérieux, Nico, tu es père de famille. Pourquoi? Tu veux dire qu'un père de famille n'a plus le droit de rigoler? Dis, mais qu'est-ce qu'on deviendrait sans notre rire légendaire? Ne les écoute pas, mon écrivain. Ton livre, fais-le, faut pas faire compliqué. Mais moi, dis, tu sais, y a rien qui est simple quand on doit parler d'exil. Quel exil? Ce livre ne parle pas d'exil, c'est... Mais il parle de notre exil. C'est vrai, Matongé, il est né d'exil, non? En fait, tu sais quoi, moi, dis, tu me fais penser à la Grande Royale. La quoi? La Grande Royale, tu devrais lire ce livre. Et toi, tu devrais arrêter de lire tous les livres du monde et puis apprendre à faire la cuisine de chez toi. Hein? Avoir des enfants, faire la cuisine de ton pays. Quel pays? L'exil n'est pas un pays. C'est un champ de ruines. Ouais, ton champ de ruines, c'est du passé pour moi. Sans passé, il n'y a pas de futur, donc pas de présent. Sans le passé que tu refuses de voir, on ne serait pas ici. Hmm? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que nous sommes ici? Tu parles comme si tu étais dans sa tête. Vous avez une vraie photocopie. Vous devriez faire à deux votre livre. En tout cas, un conseil. Ton livre, tu l'écris pour ses enfants, pour nos enfants. Avant, ici, c'était bien. Il n'y avait pas de problème, c'était calme. C'était bien. C'était bien avant quoi? C'est vrai, quand? Je peux continuer, s'il te plaît? Congo, tu dois dire la vérité. Toutes ces mauvaises choses, il faut en parler dans ton livre. Maudit, mais dis-tu en sais des choses? Moi, je pensais qu'elle allait à Matongé seulement pour faire des courses. Non, c'est vrai tout ce que tu dis, mais ça regarde que la police. Et puis tout ça, ça existe partout. Hein. Partout, c'est pas mon problème. Mais là, dans ce quartier, c'est des gens de chez nous. Quels gens de chez nous? Toi, tu es parente avec tous les Africains qui sont ici? Il faut arrêter avec ce fardeau collectif, là. C'est un piège, il faut te libérer de ce piège-là. Ouais. Tu vas quand même pas assumer toutes les conneries que les autres font dans la rue. Donc, si je comprends bien, ton livre va pas parler de la vérité. Quelle vérité? Tais-toi, Congo, et la vérité. Ce livre, ce n'est pas la réalité ni la vérité. C'est une histoire que je raconte. Disons que c'est dans ma tête que l'imagination fait l'amour avec la réalité. Galipette narrative dans mon ordinateur. Tu rires, toi. Donc, quoi? Galipette, quoi? Non, en fait, c'est une histoire entre la réalité et plusieurs vérités. Et les images de ce quartier, Matongé, l'exil, et ma propre histoire, plus l'histoire du pays d'où nous venons, et les images d'ici. Je comprends rien. Je préfère aller danser.